le Petit Prince Store a ouvert au cœur du quartier latin. C'est un quartier historique. D'abord, c'est le quartier des éditeurs. Il y a tous les éditeurs parisiens qui sont ici. C'est le quartier des librairies. Il y a des dizaines et des dizaines de librairies. Et le Petit Prince est avant tout un livre, c'est une œuvre littéraire. On est aussi également là parce que le Petit Prince est un phénomène mondial. Le film a été vu par plus de 20 millions de personnes. Le livre a été vendu à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde. Et donc, c'est la clientèle touristique et étrangère, notamment l'Amérique du Sud avec le Brésil, le Chili, le Mexique et l'Argentine. Tous ces touristes à Paris qui viennent tous les jours dans la boutique pour se faire plaisir, tout simplement. Fêtons cette année les 70 ans de la première édition du Petit Prince qui est sorti en 1946 en France. Le Petit Prince est un véritable... C'est incroyable ce succès autour du Petit Prince. C'est un livre qui traverse les frontières et les générations. C'est un livre qui est aussi populaire au Brésil, au Japon, qu'en France et qu'en Allemagne. C'est également un livre qui s'est vendu, on parle aujourd'hui de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et c'est surtout le livre le plus traduit, c'est 290 traductions officielles en langue et dialecte dans le monde aujourd'hui. Le Petit Prince est un livre absolument merveilleux et c'est un livre qui touche les gens au cœur. C'est un livre que les gens aiment pour les valeurs qu'il porte et pour le message qu'il raconte. Et donc c'est un livre qu'on a envie de partager, et c'est pour ça qu'il traverse les générations, puisque c'est un livre qu'on offre. On l'offre aux gens qu'on aime, on l'offre tout simplement à ses enfants. Souvent, on nous dit qu'on lit Le Petit Prince à 6 ans, mais ce n'est pas vrai. On nous lit Le Petit Prince à 6 ans et c'est souvent quelqu'un de proche, parce que comme nous, on a aimé la lecture du Petit Prince, quand on a des enfants, on a envie de leur lire Le Petit Prince et de leur faire découvrir les belles valeurs du Petit Prince. Donc, c'est ça qui fait la force du Petit Prince. C'est son message universel et tous les peuples et de tous les pays se retrouvent dans Le Petit Prince. Dans Le Petit Prince Store, les gens ont envie de redécouvrir l'œuvre, ils ont envie de revivre des passages entiers du livre. Et la scène qui a le plus marqué les gens, c'est vraiment la rencontre du Petit Prince et du renard, avec évidemment cette phrase « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Ce secret que le renard donne au Petit Prince, son secret, et les gens se précipitent en arrivant dans la boutique sur les peluches pour pouvoir les offrir ou les offrir à leurs enfants pour prolonger l'histoire finalement, et c'est ça tout l'intérêt de cette boutique. Le rayon qui est dévalisé chaque semaine, c'est le rayon librairie, et on a voulu un rayon librairie vraiment avec beaucoup de références et surtout proposer bien entendu Le Petit Prince, mais pas que, on a aussi l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Et ce qui plaît le plus auprès de la clientèle étrangère, c'est surtout Le Petit Prince en édition de poche. On en passe des centaines. On est d'ailleurs proche de la rupture, il faut qu'on en recommande. C'est vraiment, c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent le livre. Merci à vous, et puis venez tous dans la boutique du Petit Prince, Le Petit Prince Store Paris, rue Grégoire de Tours, à Odéon.